Change ton point d'attraction. Peu importe ce qui se passe dans la journée, on entend des informations, on entend des discussions, on peut entendre des bruits, on peut entendre des chansons, on peut entendre... Peu importe, on peut voir des choses. Et à partir de ce qu'on voit, de ce que l'on entend, de... Mais ça nous fait ressentir certains ressentis, certains sentiments, certaines émotions. Et surtout, ça vient générer certaines pensées. Et selon ton point d'attraction, donc si tu es en train d'écouter la radio et qu'il te passe des mauvaises nouvelles, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'à partir de là, donc tu as un point d'attraction, tu vas commencer à vibrer d'une certaine manière, à penser peut-être des pensées pas terribles, à ressentir peut-être des émotions pas terribles, ça va commencer à générer d'autres pensées pas terribles. Et puis à partir de là, tu as peut-être un coup de fil, quelqu'un qui va t'appeler, qui va t'annoncer peut-être un truc pas terrible. Et de là, à partir de là, en fait, tu as un point d'attraction qui est dit négatif. Et ce que je te propose de faire, c'est de changer ton point d'attraction. Donc, supposons que ça se passe comme ça. Donc, ça peut être, tu regardes la télé, puis d'un coup, tu as une mauvaise nouvelle, et puis ça vient générer chez toi des trucs qui sont pas terribles, ça vient te faire penser peut-être à des souvenirs, peu importe. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas changer ton point d'attraction. En écoutant un son que tu aimes bien, tu sais que moi j'aime bien la musique, je sais que la musique, ça te met de suite dans un bon état. Et du coup, quand tu vas écouter le son qui te fait du bien, cette musique qui te fait du bien, qui te fait vibrer, que vraiment tu te sens super, c'est super agréable pour toi, eh bien, tu vas changer ton point d'attraction. Et du coup, ça va stopper, hein, la cause et l'effet. Ça va éviter que tu te retrouves à regarder l'info, hein, une information qui va pas, ou que tu entends une mauvaise info à la radio, et puis tu vas te retrouver dans les bouchons, et puis il y a quelqu'un qui va piler, et puis il va commencer à s'énerver, et du coup, c'est ce point d'attraction-là qui va générer du négatif. Alors que toi, dès que tu commences à changer de radio, à écouter de la bonne musique, même quitte à danser, à bien respirer, tu vois, tu vas changer ton point d'attraction et automatiquement, ça va générer de nouvelles circonstances. Et si tu fais ça à chaque fois, d'accord, dès que tu en as conscience, c'est toujours pareil, dès que tu en as conscience, dès que tu vois que oh, peut-être ton point d'attraction n'est pas terrible, change ton point d'attraction. S'il faut, sors deux minutes, cours sur place, change ton point d'attraction. Regarde un bel arbre, regarde un papillon, discute avec une personne que tu aimes bien, pose tes yeux sur quelque chose que tu trouves beau. Ça peut être un arbre, ça peut être une fleur, ça peut être une nana qui a un magnifique pantalon, qui a un superbe sac, qui sent super bon. Change ton point d'attraction. À partir de là, tu vas changer ce qui se passe à l'intérieur de ton esprit, changer ton ressenti, vibrer du bon et attirer du bon. Et c'est ça, changer son point d'attraction. Et c'est aussi facile que ça. C'est aussi facile, en fait, plus tu vas le faire et plus ça va être facile pour toi. Voilà. Ici, c'est Audrey de la chaîne Good Vibes. Je vous envoie plein de bonnes vibrations. En attendant, prenez soin de vous. À très très vite, les Good Vibers.